Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour notre 7ème épisode de notre let's play sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Comme les derniers épisodes, j'allais dire Zelda, Hyrule Warriors, The Legend of Zelda, Warriors, j'allais dire non. Du coup, la dernière fois on s'était laissé sur la mission que je viens de sélectionner, qui est... Ah bah pourquoi je peux pas mettre Link? Ah si, Link est déjà mis. Ah ouais, parce que regardez, faut être niveau 16, et moi je suis que niveau 11, 12. Qu'est-ce qu'il y a? Non, en vrai ça va, tranquille, tranquille. Alors, forgeron. Non, pas ça. On sait quoi pour XP, c'est ça. Bon, du coup, je disais, on s'était laissé dans la mission des gigas, je crois. Je sais plus trop. Alors, attendez, on va XP Impa. Ouais, c'était la poursuite des gigas. Attends. On va mettre Mipha. Quoi, je vais mettre un peu tout le monde, hein. On va mettre Evalier. On va mettre Zelda. Est-ce que je peux la monter? Non, je pourrais pas monter Urbosa. Hop. Darouk. Est-ce que je peux la monter d'un niveau? Non. Bah dommage. Du coup, on est niveau 12 au lieu de 16. On va réussir tranquille, on est trop fort nous. Par contre, je vais mettre... J'ai envie de mettre Link au début, moi. Attends. Ah, je peux pas me modifier, ok. Moi, du coup, on met Impa. Parce qu'elle est très forte, hein. On va mettre Mipha. Hop. J'ai quoi comme arme? Ouais, faudrait que je fusionne les armes et tout. Ouais, faudrait que je joue un peu en off, hein. Vitesse de déplacement plus 15%. Il est causé par la foudre. Est-ce qu'on va faire ça? Vitesse de déplacement plus 15%. Oui, c'est très beau. Ok. On y va. On a passé assez de temps dans le menu, je pense. C'est ainsi que les quatre créatures divines trouvèrent leur pilote. Grâce peut-être à l'influence bénéfique du gardien qui avait voyagé dans le temps, l'entraînement des pilotes progressait bien. Tandis que le plan de lutte contre les monstres prenait de l'ampleur. Ok. Zelda travaillait avec acharnement au réglage des créatures divines. À l'étude des reliques, mais son pouvoir du sceau, en revanche, ne montrait toujours aucun signe d'éveil. Bah dommage. C'est parti. Il ne vous adresse même pas une parole de félicitations. Non, il est tout à fait naturel que mon père ne soit pas satisfait. Mais votre Altesse. Pour le moment, tâchons de faire ce qui peut être fait. Va trouver Mipha et Darouk. Dis-leur que nous partons demain à la première heure. Vous vous rendrez auprès des créatures divines? Bien, à vos ordres. Ok. Ah, d'accord. Va-t-il encore me réprimander si je me rends auprès des créatures divines? Wesh. Oh, c'est toi. Aucune discussion. Ok. Bon, allez, du coup, on va se faire cette mission-là, on va démolir tout le monde. Si ça veut bien lancer, ok. Les réglages des créatures divines sont encore loin d'être terminés. Il faut améliorer la synergie avec leurs pilotes pour qu'elles puissent déployer leur puissance maximale. Il y a encore beaucoup d'éléments qui m'échappent. Ok. Darouk, j'aurais un service à te demander. J'aimerais que tu me laisses m'entraîner avec toi. On ne sait pas ce qui peut se produire. Je veux être sûre d'être suffisamment forte le moment venu. Ah, si c'est que ça, il n'y a aucun problème. Ah, ouais, mais par contre, il faut toujours qu'on trouve le fameux chevalier porteur de la lame purificatrice. On sait qui c'est, évidemment. Oui. Ben, moi,
Sealink. Il les a cramés. C'est encore vous. Bon, les gigas. Ok. C'est bon, on va les éclater là. Allez, on y va, on y va. On va les démolir. Ça a beaucoup de temps à charger, n'empêche. Ok, c'est bon. Par contre, je peux pas jouer Link, je comprends pas. Et là, on est démoli. Éliminer quoi? Les Yigas? Aux alentours. Bon, on va les éclater, hein. Par contre, on voit que je suis pas au niveau. Hein. Je les tue pas directement. Allez hop. Il y avait un truc examiné là. C'était quoi? Je sais pas du tout. Je sais pas. Éliminer les officiers, c'est parti. Mince, c'est de l'autre côté. On y va, on y va. Hop, hop, hop. On te bloque. Démolissage. Hop, attaque spé. J'arrive. Boum. Ah ouais, je le défonce. Hop, coup de poing faible. Wow, on n'est pas du tout sous level là, on l'a démoli. Bon allez, go se faire les autres. On passe par là. On passe par là. Moi ouais, je peux zoomer la carte si je veux. Hein. Ok, ok. Là, on va zoomer ouais pour me voir, hein, logique. Non, il faut passer par le bas. Allez, on y va, on y va. Après, pour tout ce qui est Korogu, hein, je ferai ça en off. Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Allez, tiens, tiens. On va te bloquer. On spam. Tiens, tiens, tiens. Ah, bah, j'avais pas de quoi le faire. Oula oula. Tiens, esquive. Cinétis. On spam. On le met mal. Allez hop. Esquive. Allez tiens tiens. Esquive. C'est bon, on va le démolir. Esquive. Ah, j'arrive pas à faire des esquives parfaites. Allez, coup de poing faible. Voilà. Alors, il lance un assaut. Ok. Bon, je vais le taper pour l'instant. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Hop. Allez, hop. Ah, c'est pas des esquives parfaites, ça. Absorber le symbole, allez. Wow, qu'est-ce qu'on lui met? Oh, yes. C'est ce que je voulais faire. Hein. Voilà. Wow, je comprends rien. Esquive. Voilà, les bombes. Wow, on démolit. Hop, on va lui faire aspect.
J'arrive. Boum. Explosion. Donc on va mettre Mipha. On y va. On va monter. Oh non, c'est de l'autre côté. Ouais. Ça se trouve, il y avait des Korogu là. Il doit y en avoir masse. Parce qu'on sait pas, il y en a combien encore. Il y a un avant-poste, mais tranquille, on s'en fout. On va se faire les moblines là. Tiens, on va le bloquer. Allez, allez. Tiens, tiens, tiens. Est-ce qu'il... Hop, ça s'attaque haut, allez. Wow, wow, ce qu'on lui met là. Allez, tiens, on bloque. Wow, qu'est-ce que je lui ai fait? Esquive. Allez, tiens. Wow, qu'est-ce qu'on lui a mis? Ouais, du coup, pour le prochain épisode, hein, ouais, je vais XP, je pense. Je vais faire plein de quêtes secondaires. Parce que du coup, on est grave sous level quand même. Bon, même si on les démolit là. Je ferai du secondaire. Donc, du coup, on doit aller au centre. Sorti. Bah, on va dire à Impa d'aller au centre. Allez hop. Voilà. Et on va aller le faire. Attendez, je passe par où là? Voilà. On va y aller, on va passer par là. On arrive, ne vous inquiétez pas. Bon, tu as beaucoup de bokoblins forts là. Allez, on rush, on rush. Alors, rendez-vous au camp militaire pour demander des renforts. Okay. On y va, tranquille. On est arrivé. Hop là. Des bombes. Ah ouais, c'est vrai que les bombes avec Mipha sont hyper pétées. Est-ce que tu peux les spammer sans attaquer en fait? Regarde, tu fais ça et il y a tout qui attaque comme ça. C'est trop bien. Allez hop. Allez hop. Pour rien. Et d'XP. On soigne tout le monde. Nous-mêmes aussi. Voilà, il est mort. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois battre celui-là aussi. Il y a ça qui va exploser. Ouah. Ouah, ça bug un peu. Il y a trop d'explosions. Coup de poing faible. Oh, on l'a tué direct. Et on est sous level apparemment. Oh là là. Ah non, il va falloir aller battre tous ces gens-là, non? Parce que ça fait beaucoup, non? Mais comment je passe, là? Juste de faire le tour. Ouais, il faut vraiment que je me les fasse tous. On va dire à Impa, qui est là, elle va se faire celui-là, bobine de glace. Moi, je vais aller faire les deux autres, hein. C'est parti. Oula, esquive, esquive. Bon, du coup, je pense que l'épisode va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Hein. Parce que vu la longueur des quêtes maintenant... Parce que, bah, comme je vous ai dit, moi, je regarde des vidéos et tout dessus, hein, forcément. Et au fur et à mesure que le jeu avance et que les quêtes avancent, elles durent de plus en plus longtemps. Du coup, je pense que on fera des épisodes de 30 minutes. C'est un mobile de feu, d'accord. Enfin, attaque de glace. Vas-y, approche, approche. Ah, il l'a pas eu, dommage. Tiens, tiens. Allez, prends-toi masse, attaque. Hop, hop, hop. Wow, on le démolit. Voilà, explosé. Oh, il met tellement de trucs que ça bug. Allez, bombe. Allez, tiens. Coup point faible.
Hop là. Ouais, j'ai gagné. Et du coup, on va faire les autres. Il va falloir qu'on passe au-dessus. Tac. Mais je vais dire à Impact de y aller toujours, hein. Ouais, c'est bon. Là, on va passer par là. On va sur notre gauche. Voilà. Du coup, ensuite, on a juste à descendre et c'est bon. On y va. On arrive, t'inquiète pas, Moblin. On va te défoncer. Ok, il est là. Wow, regardez tout ce bordel. Moblin de foudre. Voilà, attaque spé. Hop là. Attaque de bombe. On arrive, on l'a démoli. Wow, qu'est-ce que je suis en train de faire? Attaque en faible. Voilà. On va prendre Impa. Détonation. Il est tué à mourir. Il est Sintis. Allez, on spam. Ouais, attends, on voit un peu rien là. Esquive, esquive. Hop. Hop, coup de poing faible. Et voilà, c'est bon, on les a butés. Ah, qu'est-ce que c'est? Un petit coffre. Parce que j'ai eu casse-pierre. On va reprendre Mifa. Il va falloir que j'aille vers le haut. On a vu des trucs un peu. Ouais. Donc on va donner des instructions. Impa, tu vas venir jusque-là, hein. Attends. On voit pas ce que c'est normal. Ah bah ok, c'est pas grave. Bon allez, on y va. Passe par là, on va à droite. Voilà. On continue tout droit, tout droit. Tout droit. Toujours tout droit, toujours tout droit. Ensuite, on arrive là. Salut! On va le défoncer. C'est quoi, ça mobile encore? C'est quoi? Ah, un officier, I guess. Oula, attends, je me fais cliquer. Bombe! Oulala, oulala. En vrai, il faut que je tue basse Yigas, comme ça je reprends mon attaque spé. Voilà. Oh, niveau supérieur. Attaque spé! Boum! Attaque des bombes! On a démoli! Et voilà! Voilà! Il me semble que les coffres s'ouvrent tout seuls, mais je préfère les ouvrir quand même. Et on prend une pas. Hop! Hop, esquive. Hop là, les bombes. Tac, tac, tac. Esquive, esquive, non. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, attendez, le focus est parti. Voilà. Voilà. Garde, j'arrive. On connaît le truc par cœur. Oh là là. Elle est trop forte. Et voilà. On va les défoncer un peu. Juste pour le fun. Là, je vais switcher sur Mifa. Et on va dire à Impa de venir. Allez hop. On y va. Est-ce que je préfère Mifa en vrai. Hein. Et donc on court. Là du coup on va devoir combattre le chef Yigas. Normalement. Ah non, Inox! Oh là là! Ah, ça va être super stylé!
Ok. Avec sa tête là, regardez-moi ça. Wow, comment je fais? Les bombes! Wow, je peux spammer! Parce que j'ai fini esquive parfaite, je sais pas comment, mais j'ai aussi. Esquive, esquive! Fais les bombes. Coup de poing faible. On démolit quand même, hein. Voilà. Je surveille un peu. Esquive. Hop là. On lui fait les bombes. Wow, on démolit. Faudrait que je récupère mon attaque spé. J'arrive pas à esquiver. Si, c'est bon. Coup de poing faible. On va switcher sur Impa. Hein. Et la bombe. Absorber le symbole. On fait la bombe. Allez, on y va. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, on va le tuer. Voilà. Donc, ce qu'il va donner comme item là? Bah, les trucs de Inox, hein, logique. On va se soigner. Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça, j'ai cru que c'était avec les boutons. Ah, c'est avec A, Y et tout. Alors. Et ouais, c'est la merde. Hein. Oh, du coup, on va te combattre. Ah, Link! Les bombes. Ah, niveau supérieur. Attaque spé. Allez, on bouffe. Attaque-le. Hop là. Tiens, tiens, on spam. Voilà, je l'ai bloqué. Voilà. Du coup, il faut que j'aille là-bas. On y va, on y va. Ah ok, soupa. Il est où? Éliminer soupa. Oula, attends, par contre, il est un peu fort. Hein. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il... On va le bloquer. Allez, tiens. Hop hop hop. Ça va, il fait quand même des dégâts. Mais... Tiens les bombes. Allez hop. Et les Zelda ne nous aide pas. Esquive. Hop hop. On te bloque mon gars. On lui fait zéro dégâts. Eh hey, mais attendez, je suis bête, je peux dire. Ah non, je peux même pas leur dire de venir. Je suis obligé de me le faire tout seul. Allez, tiens. Allez, finis-le, s'il te plaît. Voilà, coup fatal. Ça, il est mid-life. Voilà. Esquive. On va lui mettre les bombes. Ah, il aurait fallu mettre Cryonis, c'est pas grave. Ah, il va me défoncer. C'est bon. Faudrait que j'utilise un peu les baguettes. Oh! Et je fais ça et tac! Allez. On le bloque. Tac. Regardez, tac. Allez, coup de poing faible. Je sais pas combien j'en ai encore. Allez, on va regarder ça. Ah, ça va, je peux en utiliser pas mal, les baguettes. Tiens, je te bloque. Il faut quand même que je me mette derrière lui, parce que sinon il va m'attaquer.
Et on l'a quand même bien démoli. Allez, tiens. On te bloque. Hop. On y est presque. Hop là. On te bloque. Ah, ils sont en difficulté, les gens. Non, esquive. Je peux pas lui faire, dommage. Oh. Et je te bloque. Est-ce qu'il va mourir? Esquive! Ouais, c'est bon! Du coup, la bataille est terminée. La cinématique de fin, je pense. Ok. Oh, magnifique combat, regardez-moi ça. Il s'enfuit? Ah non, voilà. Bon, ça, je vais le prendre pour ma miniature. Voilà. Oh. Il voulait la protéger. Ok. Giga, replions-nous. Giga. Je sais pas, elle a toujours dit Gigas, je sais pas. Link. Qu'est-ce qu'il y a? Il va gueuler alors. Est-ce qu'il voulait la protéger du coup, hein? Très marrant, haha, lol. Bon, allez, du coup, c'est bon, on a éclaté les gigas, comme ils disent. Ouah, ça a duré 17 minutes et on est à 27 minutes de vidéo. Ça a duré 10 minutes les cinématiques. Oh, on a pris masse level, par contre. On a masse arme. Ouais, du coup, ce que je vais faire, ouah, au masse objet, des plats, ok, cool. Pour la prochaine fois, je vais fusionner toutes les armes que j'ai et je vais XP quand même, parce que. On était un petit peu sous level quand même, hein, et du coup. Voilà, pour éviter quand même le game over, on sait jamais. Ok. Bah, par contre, oui, allez, bah tu peux y aller, hein. Du coup, il me dit de faire ça, mais on va pas le faire. Du coup, on va faire tout ce qui est possible, là. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il veut que je fasse ça aussi, mais t'inquiète. J'ai ça. Voilà. Un relais de la forêt. Ah bah on pourra acheter des objets. Hop ça. Ok, du coup, on a fini. Ah, attendez, c'est quoi ça? Pèlerinage en peinture. D'accord. Bon, du coup, la prochaine quête, elle s'appelle... Ça brille pas ça vite fait là. Ah non mais c'est une quête comme ça, ok. Faut être niveau 22, ah ouais d'accord. Libération de la forêt Korogu. Ok, du coup pour la prochaine fois je vais fusionner mes armes. Je vais faire des quêtes secondaires pour être niveau 22 au moins. Ouais parce que là niveau 15 c'est pas très beaucoup hein. Du coup on va s'arrêter là pour ce 7ème épisode de Hyrule Warriors l'ère du flow. Si celui-ci vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains let's play. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.